Alors qu'avec l'Église, en fait, nous proclamons la résurrection du Christ. C'est une grande joie, c'est une grande victoire. Christ est ressuscité. Alléluia. Nous avons proclamé, jour après jour, dans l'octave pascal, des évangiles qui nous montrent une étonnante continuité avec le passé. Par exemple, les femmes qui viennent au petit matin pour embaumer le corps de Jésus sont dépassés par les événements, restent prisonnières de leur incrédulité et surtout de leur tristesse, de leur désolation, et les fameux disciples d'Emmaüs s'en vont tout tristes, alors même qu'ils connaissent le récit du tombeau vide, alors même qu'ils ont entendu le témoignage des saintes femmes, ils croient que tout est terminé parce que dans leur vie rien n'a changé. Ou, ou plus exactement, Dieu n'a pas agi à leur idée, Dieu n'a pas correspondu à l'image qu'il se faisait de lui. Voilà certainement une expérience très commune et qui nous conduit à affronter la question ⁇ si dans la vie rien n'a vraiment changé, à quoi sait-on, à quoi voit-on que le Christ est ressuscité ?⁇ Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph présenté par le frère Dominique Joseph. La situation n'est pas nouvelle. S'il est vrai que la vie des premiers disciples, des apôtres, témoigne d'une grande continuité entre les persécutions pendant les jours de la Passion et les persécutions pendant les premiers temps de l'Église, entre le désarroi des saintes femmes et le désespoir des disciples d'Emmaüs, si l'on ne peut pas compter sur une vision, sur une apparition du Christ ressuscité, comment peut-on savoir, comment peut-on voir que le Christ est ressuscité Une réponse possible se trouve dans le livre d'Isaïe, au passage des chapitres 39 et 40. Au chapitre 39 en effet, on voit que Israël perd tout ce qui faisait son identité, son trésor, aussi bien le temple, la terre promise que la dynastie davidique. Ils attribuent, sans aucune difficulté, la situation désespérée à leur propre infidélité. C'est leur péché qui les a conduits dans une impasse. Simplement, vu que rien ne change, ils finissent par se dire que la situation échappe au Seigneur, qu'ils sont peut-être oubliés, en tout cas que si Dieu est vainqueur, ça, ça ne se voit pas vraiment. Alors, au, au chapitre 40, Isaïe explique la situation en disant commencez par regarder autour de vous, regardez la nature, regardez le ciel et la terre, regardez le cours des saisons, la marche des étoiles. Et voyez comme vous êtes fragile, voyez comme vous n'êtes qu'un souffle qui passe la vie d'un homme, c'est un soupir. Voyez que toutes vos grandeurs sont aussi éphémères que les fleurs du printemps. Voyez finalement que tout est raconté déjà dans le récit de la création au jour où l'antique serpent est venu dans la beauté de la création pour défigurer l'humanité qui était créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le problème c'est celui de l'idolâtrie, parce que devant sa fragilité, l'homme a choisi de construire des idoles, de se faire des images qui le protègent de voir sa propre faiblesse, qui le portent à croire à sa propre puissance. Et ces images, il les a même calquées sur le bon Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas voir la victoire du Seigneur. Parce qu'il est prisonnier de ces images, des images qu'il a sur lui-même et sur Dieu. L'homme est prisonnier de ses idoles. Alors il faut renouveler notre regard, dit Isaïe, et dit tu veux des images, eh bien, en voilà une. Dieu est comme un bon berger. Il s'occupe de toi comme il chérit son troupeau. Il prend les agneaux dans ses bras, il les porte sur son cœur, il donne sa consolation. Tu pourras savoir que la victoire n'échappe pas au Seigneur. Tu pourras découvrir Dieu tel qu'il est au-delà des images que tu as attribuées sur son visage, si tu t'ouvres à sa consolation, si tu te laisses désarçonner par sa tendresse. Avant de voir la victoire éclatante du Christ, pose ta tête sur son cœur. Laisse-toi consoler par le cœur de Jésus. Voilà le message d'Isaïe en quelque sorte. Il ne parlait pas de Jésus, il s'adressait à Israël qui était dans la crise de l'exil, mais cette parole nous rejoint dans le temps pascal, alors que nous sommes dans l'élan de la fête de la miséricorde, nous la voyons comme un fruit de la victoire du Christ, comme une conséquence des prérogatives du général vainqueur, que de pardonner aux siens, que de rétablir les siens. Bien, le livre d'Isaïe nous invite à le percevoir comme une porte d'entrée. Laisse ton cœur être transfiguré par la miséricorde du Seigneur, et tu verras que oui, en vérité, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celli letare, alléluia.